Sorti en Canada, au Pérou, ville qui pire dans le monde là, rivé dans falaise Bunda en Australie, vinn découvrir avec cette ville qui pire isolée dans le monde là. En allez. En première position, nous gagnons Rinconada. C'est une ville montagnarde. Ça veut dire une ville qui chitakol dans une montagne. Ville sa chitakol dans le pays Pérou. Ville sa gagne plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui vivent là-dedans. Et presque tout le monde sa yo, c'est le monde qui a travaillé dans la mine. Le monde sa yo presque pas jamais à l'autre côté que dans la ville sa. Ville sa située à plus de 5000 km d'altitude. En effet, Rinconada considéré comme étant ville qui pire dans le monde là. Si on monte à un visite ville sa, c'est seul un camion qui gagne transmission intégrale qui amène. Malgré à vivre dans une condition extrême, moun sa yo estime que yo a à l'aise passer en pile moun dans pays Pérou. Position yo a permet yo vivre loin des problèmes yo te ka rencontrer dans l'autre ville yo. Mais à cause de altitude là, habitants yo confrontés à quelques problèmes santé, notamment à cause manque d'oxygène qui gen dans zone ça. En deuxième position, nous gagnons l'île de la Déception. C'est une île volcanique, isolée et inhabitée. Il s'agit d'accord dans l'archipel Islande. C'est une zone qui toujours gagne volcan. Quand il y a un gros vapeur qui sort en bas de terre. Il s'agit aucun monde qui vit là-dedans. Toujours gagne un gros chercheur espagnol et argentin qui vient mener études sous lui. Ça veut dire que si on est dans la ville, on connaît ces études qui viennent mener sous lui. En troisième position, nous gagnons village de Supai. C'est un village qui est dans Arizona, dans l'ouest pays États-Unis. C'est un endroit difficilement accessible. C'est un village qui a environ 500 personnes qui vivent là-dedans. Pour arriver dans le village, ça, vous avez fait presque une journée à marcher. En quatrième position, nous gagnons Tristan da Cunha. C'est une île volcanique. Kishitakol nan mitan océan Atlantique la. Li fait partie territoire britannique la. Moun kap viv sou il sa, c'est kek moun ordinaire qui vle vivre et rete pour toujours sou il sa. Sauf que moun sa yo isolé de tout reste monde la. Tristan da Cunha considéré comme il qui pire kile nan monde la. Li situé entre 2800 km de l'Afrique du Sud et a plus passé 3000 km de l'Amérique du Sud. C'est un bateau de pêche qui amène là si vous embarquez en Afrique du Sud. Et vous faites plusieurs jours sous la mer. Mais ça n'a pas empêché les habitants d'Ilsa qui évaluent à 245 mener une vie simple et ordinaire, basée sur entraide et égalité. Grâce à un mode de vie particulier et à position géographique, Tristan et vivent dans la joie et bonne humeur, sans violence et sans problème dans ce monde-là. Mais situation isolée a fait gain du mal pour adapter à modernité que reste monde là connaît. Yo pas senti yo confortable aucun l'autre côté que Tristan da Cunha. Même si yo ta al étudier dans l'autre pays, yo toujours tourné la caillou. En cinquième position, nous gagne Omiakon. C'est un village russe qui situé à plus de 5000 km de Moscou. Ça m'a dit qu'à surprendre nous, mais ou pas qu'à aller côté ça dans l'avion. Parce que l'avion atterrit dans la zone ça seulement les temps en bail permission. Non seulement faut parcourir une longue distance, mais faut passer une série de routes qui vraiment glacées. Et passer plusieurs jours avant d'arriver. Parce que le village ça fait partie d'un endroit qui est pire qu'il est dans le monde. Là. Côté ça tellement fait fret, Frédéric a même empêché de bouger. Et lui c'est un endroit qui pire fait fret dans le monde. Là. En sixième position, nous avons l'île Pitcairn. C'est une île perdue dans l'océan Pacifique. Li entre pays Tahiti et l'île de Pâques. L'île ça considéré comme destination touristique qui est plus éloignée dans le monde. L'île ça a seulement une cinquantaine d'habitants qui vivent là-dedans. Sans transition, on y en a pris direction Australie, plus précisément la Grande Baie australienne. Région ça chitakol dans le sud pays. Et me connais sans doute, nous voulons connaître qui ça gagne qui si intéressant. Pas vrai? Eh bien, m'a fait découvrir falaise sa yo qui est les falaises de Bunda. C'est une série de falaises spectaculaires qui mesurent entre 60 mètres et 120 mètres d'altitude et qui étendent sur une distance de 200 km. Belle falaise sa yo a regardé là éloignée de tout et li pas jamais possible pour un monde à la yon jour. C'est dommage mais en attendant nous ka toujours admirer yo sur internet là. Ta semblé nous très impressionné des falaises sa yo. Ou sont découvrir cet endroit qui est isolé dans le monde là. Parmi côté inaccessible ça, qui est-ce qui t'a plus impressionné? Qui
Quittez réponse ou en espace commentaire et comme toujours, pas oublier abonner, like et puis partager vidéo. Merci, n'attendez-moi une prochaine fois dans l'autre plus belle vidéo. Ciao.